Power, je suis heureux de vous retrouver dans ce tout nouveau documentaire. Aujourd'hui, direction une des perles de la France, les Gorges du Verdon. Un endroit à part, bourré de trésors et de secrets. Donc si vous voulez en savoir plus, let's go, c'est parti. Nous voici au cœur des Alpes de Haute-Provence. Dans ce nouveau documentaire, je vais explorer les Gorges du Verdon, de Castellane jusqu'à Quinçon, en passant par la Palue sur Verdon et bien évidemment le mythique lac d'Alos. C'est d'ailleurs à Quinçon que débute mon périple, au bord des basses gorges du Verdon. Cette partie-là des gorges est sans doute la partie la plus agréable pour sillonner le canyon, que cela soit en canoë, en paddle ou en bateau électrique, ou même bien évidemment à pied, où un magnifique sentier longe les gorges. Tout le long de l'année, c'est un véritable havre de paix, hormis peut-être en juillet et en août, où les touristes s'emparent des lieux. Pour la faire plus courte, c'est près d'un million de touristes qui viennent chaque année visiter le canyon, tous la plupart concentrés entre juillet et août. Sachez que seulement 9000 personnes vivent à l'année aux alentours des Gorges du Verdon. Cette petite communauté du Var regroupe 16 communes comme Aiguine, Les Salles-sur-Verdon ou encore Régus. C'est bien hors saison qu'il faut visiter les Gorges du Verdon, et plus particulièrement au mois de mai où la météo est déjà bien clémente. La région est particulièrement très connue pour ses randonnées. Plus d'une trentaine de sentiers existent ici et cela attire énormément de monde. Si les Gorges du Verdon attirent tant de monde, c'est simplement parce que cet endroit est mythique. C'est le plus grand canyon d'Europe. Il atteint par endroit jusqu'à 700 mètres de hauteur. Son paysage, façonné avec le temps par l'érosion du calcaire, en fait un endroit à part en France, mais aussi dans toute l'Europe. Mais alors comment et quand les Gorges du Verdon ont-elles vu le jour? Pour comprendre son histoire et sa formation, il faut remonter à plus de 210 millions d'années. À cette époque, la majorité du continent français était sous les eaux. Un énorme lagon avec de la vie marine à l'intérieur, qui avec les années forme une faune corallienne importante. Après des millions d'années, un socle calcaire se forma dans les fonds marins et lors des mouvements des plaques de chaque continent, la mer a fini par disparaître, laissant place à une rivière. C'est lors de l'émergence des Alpes, du Massif central ainsi que des Pyrénées que se forme le canyon. De son côté, pendant des millions d'années, la rivière a creusé dans le socle calcaire et c'est comme cela qu'a fini par naître les Gorges du Verdon. Ce paysage époustouflant s'est formé sur des millions d'années. Mais cet endroit, c'est l'endroit idéal pour réaliser des activités hors du commun et surtout de lâcher prise le temps d'un week-end. La particularité des eaux limpides des Gorges du Verdon, c'est qu'elles prennent directement leur source dans un lac glacier. Le lac d'Alos. Du coup, je suis en direction du lac d'Alos. Clairement, l'un des plus beaux lacs de France. En tout cas, un lac de montagne. On va aller voir tout ça et voir comment se passe cette petite randonnée. En tout cas, la météo est bonne. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. Donc, direction le lac d'Alos.
Talos. Regardez ça. Le lac est aujourd'hui considéré comme le plus grand lac d'altitude d'Europe. Cela a fait sa réputation dans le monde entier. Il se situe à près de 2228 mètres d'altitude et il s'étend sur plus de 54 hectares, tout ça pour atteindre une profondeur de plus de 48 mètres. Pour embellir sa situation, il est situé dans le parc national du Mercantour, un milieu très protégé et magnifique. Le lac marque la fin du Mercantour qui lui s'étend jusqu'aux Alpes maritimes, proche de la Côte d'Azur. Au bord du lac, on trouve la chapelle Notre-Dame des Monts. Elle se fond parfaitement dans le cadre naturel qu'offre le lac. En prenant de l'altitude, le spectacle est lui saisissant. La rétine en prend clairement un coup, c'est certain. C'est donc ici, dans ce magnifique lac, que prend sa source le Verdon. Et oui, les eaux du lac Dalos s'échappent de façon tout à fait naturelle par les canaux souterrains en direction de la source du Chadoulin qui, elle, rejoint la rivière du Verdon. Le lac Dalos a lui aussi une légende, un petit secret. On raconte que depuis très longtemps, au milieu du lac, se trouve une pierre gravée par les anciens. « Quand tu me verras, tu pleureras. » Voilà ce que dit le dicton. En d'autres termes, il faut comprendre que si le niveau du lac venait à baisser de façon à apercevoir cette pierre, l'impact pour l'homme serait très grave. Cela met en avant l'importance de ce réservoir d'eau au milieu de la montagne. Tout autour du lac, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir des marmottes. Le site étant protégé, elles se sentent très bien là-bas. Maintenant que l'on a compris d'où provient le Verdon, qu'il puise sa source tout en haut au lac Dalos, je vais reprendre ma route en longeant le Verdon en direction de Castellane. C'est une autre partie des gorges du Verdon et on va voir si c'est toujours aussi unique et toujours aussi spectaculaire. La route entre Alos et Castellane est une petite merveille. Longer les gorges du Verdon ainsi que le sublime lac de Castillon est vraiment à faire. Le lac de Castillon est formé par le barrage de Castillon, barrant les eaux du Verdon en amont de Castellane. Tout le long de l'année, c'est un véritable havre de paix. Il est d'ailleurs très bien entouré par le joli petit village de Saint-Julien-du-Verdon. Voici la sous-préfecture des Alpes de Haute-Provence, la ville de Castellane, ou plutôt le village, car seulement 1500 personnes vivent ici à l'année. C'est la sous-préfecture la moins peuplée de France, mais sans doute l'une des plus charmantes et accueillantes.
autre petit village très mignon dans le secteur, Moustier-Sainte-Marie. Un petit endroit provençal avec un charme indéniable. La ville de Moustier, souvent comparée à une crèche, car elle est blottie contre un énorme rocher, est membre des plus beaux villages de France. Seulement 720 habitants vivent ici à l'année, perché à près de 630 mètres d'altitude, avec bien évidemment une vue magistrale sur le lac de Sainte-Croix. Il est au cœur des grandes routes touristiques des Gorges du Verdon, une situation exceptionnelle pour cette petite cité. Mais ce petit village a bien plus qu'un beau visage. Il a une grande histoire. Déjà, les périodes préhistoriques ont laissé plusieurs sites importants, dont la tombe du Grand Ségrier. Le village fut fondé au 5e siècle par des moines. Au cours des 12e et 13e siècles, des fortifications et des maisons s'édifient, pendant que des moulins s'installent sur le torrent de l'Adou. Depuis le Moyen Âge, Moustier est très connu pour sa poterie, et cela se poursuit pendant de nombreuses années par la suite. À la fin du 18e siècle et jusqu'au 19e siècle, l'essor de l'art de la faïence fait la renommée de Moustier et la faïence devient la mode. Aujourd'hui encore, il existe 7 ateliers de faïence à Moustier, Sainte-Marie. La suite de mon épopée dans le parc régional du Verdon m'emmène au couloir du Sanson, l'entrée du canyon principal. Le couloir du Sanson ne laisse personne indifférent. Des milliers de touristes chaque année viennent découvrir cet endroit ainsi que son belvédère. Un véritable chef-d'œuvre de la nature. Le reste de la route vous fera longer le canyon. Vous pourrez y apercevoir des dizaines de belvédères, traverser le sentier Blanc Martel très connu et arriver jusqu'au lac Sainte-Croix. C'est sans aucun doute l'une des plus belles routes de France, avec cette route qui serpente entre les roches de calcaire. C'est ici, au lac Sainte-Croix et ses eaux bleues, que les touristes viennent l'été. Ils viennent y découvrir cette partie des gorges du Verdon, la plus connue. Conseil pour vous, pour venir découvrir cette magnifique partie des Gorges du Verdon, c'est de venir hors saison. Évitez absolument les mois de juillet et d'août, sous peine de retrouver ce genre de résultats. À part cela, sillonnez les Gorges du Verdon avec un petit bateau électrique, un canoë ou un pédalo est vraiment sensationnel et véritablement à faire. D'ailleurs, les gorges, ce n'est pas simplement que cela, c'est aussi un territoire rural d'exception. Un autre aspect assez spectaculaire et étonnant de la nature de cet endroit.
un des paysages très réputés, c'est les fameux champs de Lavandin, au nord du lac de Sainte-Croix. Un plateau de près de 800 km². Il change de couleur au fil de l'année. Rose en mars avec les amandiers en fleurs. Puis il devient bleu-violet grâce aux champs de lavande à partir de juin. Fin août, la saison se termine. Il sera donc difficile d'apercevoir les couleurs violettes. Le lavandin est une variété de la lavande, issue d'une hybridation spontanée entre deux espèces de la lavande. Il en existe trois grands types. La lavande vraie, dit lavande fine, la lavande aspic et le lavandin. Le lavandin est donc un mélange des deux autres lavandes, d'où le fait qu'elle a une ample florale beaucoup plus importante que les deux autres. Elle se cultive de la même façon et offre une huile essentielle qui a de nombreuses vertus pour notre santé. Cette cascade, c'est cadeau pour la rétine. Ma découverte des gorges du Verdon. Un endroit que je voulais faire depuis des dizaines d'années a vraiment été une belle surprise. Des paysages féeriques avec des villages dotés d'un charme provençal exceptionnel. Ce coin de la France est peut-être l'un des plus beaux que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Voilà, c'est sur ce magnifique panorama que j'en termine avec ce nouveau documentaire sur les gorges du Verdon, juste devant le magnifique lac d'Alos. Je n'ai plus qu'à vous dire la suite au prochain épisode et surtout, venez visiter cette petite perle de la France. Ciao !